Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un avis lecture et vous allez voir, c'est un avis lecture où il y a un petit peu de tout et je le remarque souvent dans mes avis lecture, il y a un petit peu de tous les genres et même de tous les formats. Là, il va y avoir un manga, de l'historique, du contemporain, un auto-édité qui a un petit peu de l'anticipation, je dirais pas de la dystopie, mais plus de l'anticipation. J'en ai qu'un seul au format papier. Donc tous les autres, je vais vous afficher les images sur le côté. En tout cas, 4 de ces livres, vous les avez forcément vus si vous avez regardé la vidéo du challenge bambou. Et un autre après, c'est un contemporain que j'ai adoré, mais qui ne fait pas partie des coups de cœur. Et c'est le premier de cette autrice qui ne fait pas partie de ses coups de cœur, mais ça a été une très bonne lecture. Mais je vous en parle à la fin, parce que je vous les présente dans le sens où ils viennent dans mon petit carnet de lecture pour que je me replonge un petit peu dans mes avis et que je vous en reparle donc au fur et à mesure de mes lectures. On va tout de suite commencer avec le manga qui est L'étrange Noël de Zéro. Alors je triche un petit peu pour regarder pour les auteurs parce que je vous avoue que sinon je galère un petit peu. C'est écrit par Milky et Kei Ishiyama. C'est publié aux éditions Nobinobi. Et dans cette histoire, on y suit tout simplement le personnage de Zéro, donc dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, où en fait Zéro, qui est le petit chien en fait fantôme de Jack, il passe par un passage, une porte qui en fait l'emmène dans la ville de Noël et non plus d'Halloween. Et c'est un petit peu cette histoire qu'on suit dans ce premier tome parce qu'il me semble que c'est une duologie, donc une saga en 2 tomes. Pour ce qui est de mon avis, j'ai trouvé ce premier tome assez mignon où on retrouve Zéro qui fait des bonnes rencontres, d'autres rencontres un petit peu moins bonnes, mais surtout qui se retrouve chargé d'une petite mission où on se dit oh, c'est... Ouais, c'est... Ben, voilà, il n'est pas arrivé dans la ville de Noël par hasard. C'est un manga qui est quand même très jeunesse avec des images, enfin des planches assez, je dirais pas enfantines, mais qui restent dans le... Parce que c'est un mélange Tim Burton et jeunesse, donc on reste quand même dans l'univers de Tim Burton, mais là c'est clairement pas... On y retrouve tous les personnages de... Enfin tout. Les personnages de L'étrange Noël de Monsieur Jack. On y suit vraiment Zéro qui a son petit parcours, son petit chemin. Donc voilà, c'est très mignon à lire. J'ai lu le tome 1, je ne lirai pas le tome 2 parce que j'ai pas... Disons que là, le tome 1, c'est ma sœur qui se l'est acheté et elle m'a dit, bah tiens, si tu veux le lire, tu peux le lire. Mais je ne sais pas si elle compte acheter le tome 2. Si elle l'achète, je le lirai, mais sinon je ne vais pas l'acheter de moi-même parce que j'ai bien aimé, mais ce n'est pas non plus une lecture où j'ai envie de, absolument de continuer la saga. Mais je dirais que c'est une, comme je l'ai mis dans mon avis, une lecture réconfortante et où on se laisse porter, donc c'était quand même un moment agréable que j'ai pu passer. Ensuite, on va continuer avec le roman auto-édité. Oui, je ne sais pas ce que j'allais dire. Il s'agit de Bonne Nouvelle de Demain, c'est écrit par A. Lacroix Lehmann et c'est publié donc en auto-édition. Et donc dans cette histoire, je vous fais vraiment les résumés de tête parce que je n'ai pas les livres à portée de main. Dans cette histoire, on y suit plusieurs nouvelles qui racontent un petit peu notre monde de demain, qui peut être bon ou moins bon, je ne sais plus combien de nouvelles est-ce qu'il y a exactement, qui part un petit peu sur notre vie actuelle et qui nous emmène dans ce que pourrait être notre monde, notre quotidien de demain. J'ai trouvé, alors déjà, petite parenthèse avant de partir dans mon écrit, merci à toi, donc à l'autrice, de m'avoir envoyé ce livre, de me l'avoir proposé parce que ce fut une très très bonne lecture. Il fait partie de mes coups de cœur de l'année, c'est mon premier coup de cœur. Donc voilà, je dis ça comme ça. Et l'autrice a une plume qui est très fluide, qui nous emporte, qui nous embarque, qui nous fait nous attacher au personnage. Et en fait, on se retrouve vraiment immergé avec ces personnages dans leur univers, dans leurs actions. Et on se dit, mais... En fait, ça peut être complètement nous, mais vu d'un œil extérieur, on se dit, mais c'est affolant. Enfin, non, non, on ne peut pas faire ça, regarde où ça nous emmène et tout. Mais en étant dans la tête de ces personnages, on se dit, ben, en fait, c'est que la continuité de notre vie actuelle, finalement. Vous l'aurez compris, ce livre aborde des thématiques qui sont réellement actuelles et qui pourraient avoir, enfin, qui pourraient tendre à se développer et à devenir notre quotidien. On y parle aussi de la place de l'environnement dans ce livre. Enfin, l'environnement, l'écriture et puis l'imagination a une place très très importante dans ce livre et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'à un moment on y suit un écrivain, après on y suit quelque chose, enfin une autre nouvelle, je vous dis pas quoi, autour d'un arbre et il y a vraiment des choses où on se dit mais nous on serait au moment où ces personnages vivent, on serait pareil qu'eux. Et au moment où ils vivent, c'est comme s'ils étaient dans le futur très très loin, qui par exemple, je vais vous donner un exemple, qu'il n'y a plus d'arbres ni rien, et qu'ils s'extasient devant une photo d'arbre. Et nous on se dit, mais oui, s'il n'y a plus que des choses en ciment, en béton ou autre, on serait pareil, alors qu'en fait on en a plein dehors, et on passe sans même les regarder. Et moi j'ai trouvé que vraiment cette histoire, ça donnait envie de se poser, d'aller faire des balades, et juste d'observer un petit peu notre environnement. Un petit peu comme Mère,
que je vous ai présenté dans mon dernier avis lecture, où c'est l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. Ça donne vraiment envie de se reconnecter avec les choses essentielles et de voir un petit peu dans chaque petit détail comment la nature peut être belle, comment elle est bien faite à chaque saison, à chaque moment de l'année, et que chaque petite chose y trouve sa place. On a aussi une petite référence avec Frankenstein, le livre de Mary Shelley, je ne sais plus comment... Enfin, j'arrive jamais à prononcer le nom de famille de cette autrice, mais vous connaissez tous et toutes, je l'espère, Frankenstein. Et donc on a un petit peu un parallèle qui est fait avec cette histoire dans une des nouvelles, et j'ai beaucoup aimé comment est-ce qu'elle a été tournée, comment est-ce que cette histoire a été utilisée un petit peu pour qu'elle-même elle amène sa nouvelle et qu'elle amène le message qu'elle voulait véhiculer. J'ai vraiment aimé. Vraiment, quand j'ai vu la référence à Frankenstein, j'ai dit mais c'est génial et c'est hyper bien fait. Et là, ouais, enfin, Frankenstein a toute sa place et ça montre vraiment, comment vous dire sans vous spoiler, le monstre, en fait le créateur omnubilé par son œuvre, et qui finalement quand il a créé un monstre, il est là, j'en veux plus en fait. C'est un petit peu, je dirais pas comme l'humain actuel qui veut tout, mais une fois qu'il les a, ça m'intéresse plus. Mais je dis pas que c'est cette dimension-là qui est abordée dans la nouvelle, mais on a vraiment une dimension qui est hyper, hyper intéressante pour moi. Et toutes ces nouvelles m'ont touchée d'une manière ou d'une autre, m'ont percutée, et à chaque nouvelle j'étais là, ah ouais, ah dans celle-ci il y a ça qui est ouf, dans celle-ci il y a ça qui est, enfin c'est hyper intéressant, là ça remet tout en cause, et moi je me dis, dans toutes les nouvelles, à chaque fois il y a quelque chose qui nous est apporté, à chaque fois il y a quelque chose qui nous embarque, qui nous surprend, qui nous fait réfléchir. Si vous aimez être surpris, si vous aimez les belles plumes, les plumes poétiques, si vous aimez tout le temps avoir du nouveau, parce que c'est beau de voir des romans d'anticipation, mais parfois on n'a que ça et c'est tout le temps la même chose, mais que là vraiment vous aimez voir, enfin vous voulez voir quelque chose de nouveau, être surpris, suivre des histoires dont vous ne pourrez pas deviner la fin, vraiment, je vous le garantis. Alors à ce moment-là, je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment ce recueil de nouvelles de A la Croix Lehmann. Je dis A parce que c'est ce qui est écrit sur son roman. Et je ne me souviens plus, enfin je sais pas en fait, j'ai essayé de regarder mais je ne me souviens plus. Et je ne pense pas que son prénom soit mentionné à un moment, mais dans tous les cas, voilà, vous avez le prénom, le nom, enfin de quoi faire vos petites recherches si vous en avez besoin. Voilà pour ce roman, enfin pour ce recueil de nouvelles, vraiment, si ça vous intéresse, mais foncez, je ne peux que vous le recommander. Ensuite on va passer à un historique, il s'agit de « Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre », c'est écrit par Ruta Sepetys. Et c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse, donc c'est une histoire où l'on suit, je ne sais plus un petit peu l'origine des personnages, mais qui se font tout simplement déporter pour être emmenés dans les wagons à bestioles pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre qui est depuis très 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 longtemps dans ma pile à lire et qu'en fait j'ai réussi à sortir dans le cadre du challenge d'Eline, donc de celui d'hiver. En tout cas j'ai très bien fait de le sortir pour ce challenge parce que c'est une histoire qui est remplie de côtés positifs, qui est remplie de motivation, il est rempli d'émotion, de volonté, de courage et de tout ce qu'on peut imaginer autour. Où chaque petite lueur d'espoir, ça peut être... On peut l'attraper et on peut y voir une porte entrouverte pour réussir à s'échapper. Tout ce qui s'est passé dans cette histoire, ça m'a vraiment bousculée. J'ai vraiment été attachée au personnage. Je vous en ai parlé dans le vlog du challenge Bambou, mais quand les personnages avaient soif, avaient faim, avaient froid, j'étais dans la même situation qu'eux. Vraiment, j'ai dégommé, je crois, une bouteille d'eau en une demi-heure parce que les personnages étaient assoiffés et moi-même je me sentais assoiffée en fait, donc j'étais là mais waouh, enfin la description est vraiment très bien faite dans ce roman et même si parfois elle percute un petit peu, elle est vraiment vraiment bien faite et pour une fois on voit aussi des témoignages de ce côté-là de la guerre où, je sais pas si c'est vraiment un témoignage ou inspiré d'une histoire réelle, enfin forcément c'est inspiré de la guerre mais vous voyez ce que je veux dire, mais dans le sens où là c'était vraiment bien décrit de ces personnes-là en fait, d'une jeune qui se lançait un petit peu à la recherche de son père qui, parce qu'elle s'est retrouvée dans le wagon avec son frère et sa mère, mais son père a été déporté à un moment différent, enfin dans un wagon différent, etc. Et donc c'est un petit peu cette chasse, elle veut le retrouver, donc elle fait tout pour le retrouver. Et on voit vraiment, enfin c'est là que je me suis dit ouais, ce livre est vraiment bien fait parce qu'on a des personnages qui sont râleurs, qui sont chiants, quoi. On ne les supporte pas, nos personnages ne les supportent pas, mais tout compte fait, quand on les retrouve dans l'histoire, et ça a quelque chose de rassurant parce qu'on se dit en fait c'est un point d'ancrage, eux on les connaît, donc on sait qu'auprès d'eux ça va aller, on va pouvoir trouver un peu de repos, on va trouver quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de sûr, et en fait c'est aussi ça qu'on se dit, que sans le vouloir, même s'il y a des gens qu'on n'apprécie pas, et on s'habitue petit à petit à leur présence, et que leur absence en fait ça fait bizarre quoi. Le seul petit point négatif, si je peux en relever un, c'est que j'ai trouvé la fin assez rapide, dans le sens où on fait vraiment un bond dans le temps de plusieurs années après.
Alors que j'aurais aimé suivre les personnages un petit peu plus à la fin, justement, de... je vous dis pas comment est-ce qu'ils s'en sortent, mais j'aurais bien aimé suivre ces personnages un petit peu plus à la fin, bah, de savoir un petit peu comment est-ce qu'ils s'en remettent, ou comment est-ce que ça se passe psychologiquement pour les autres. Je veux pas vous donner trop d'indices si vous ne l'avez pas lu, mais voilà, essayez d'en savoir un petit peu plus sur le moment présent, comment est-ce qu'ils se sentaient après, comment est-ce qu'ils se sentaient pendant... juste après, est-ce qu'ils s'en sont sortis sans trop de dégâts, est-ce que finalement ça a été très dur. Il y a des personnages qui s'en sortent, d'autres non, mais là en fait ça a été très rapide puisqu'on fait vraiment un grand bond dans le temps, donc je me suis dit bon, c'est un peu dommage, mais ça m'a pas plus non plus gêné que ça. Pour moi ça a été une superbe lecture, une très bonne lecture. Je n'ai pas gardé le livre, mais parce que je sais que je le relirai pas forcément, mais dans le sens où je trouve que c'est vraiment un roman très intéressant par rapport à la résilience, où là on se dit mais on est en plein dedans, et de voir un petit peu comment les personnages essaient de se reconstruire même en étant en plein encore dans le truc, et de ne pas rester passifs. Donc franchement moi je trouve que c'était une très belle histoire, pleine d'émotions, pleine d'envie et de motivation, donc voilà, c'était une très belle histoire. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais vous pouvez vous y pencher. Le quatrième livre que je vous présente, il s'agit, et là... je suis très contente de vous présenter parce qu'il s'agit de mon tome préféré de la saga. Il s'agit de La Passe Miroir, le tome 3, donc c'est La Mémoire de Babel. C'est écrit par, j'allais dire Ophélie, mais non. Ophélie, c'est le prénom du personnage principal. C'est écrit par Christelle Dabos et c'est publié aux éditions Pôle Fiction, tout du moins le livre que j'ai. Je ne vais pas vous refaire l'affront de vous présenter La Passe Miroir, qu'est-ce que c'est, de vous faire un résumé, parce que je vous en ai suffisamment parlé dans mon vlog Challenge Bambou et dans d'autres vidéos où je vous ai présenté le tome 1, le tome 2, et puis je pense qu'on en parle quand même assez souvent. Pour moi c'est mon tome préféré, je peux vous le dire, parce qu'au moment où je vous filme cette vidéo, je suis en train de lire le tome 4, et en fait on y retrouve, entre le tome 2 qui est beaucoup plus dans l'action, et ben en fait le tome 3 il est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus dans la réflexion, et c'est mon tome préféré, et c'est pour beaucoup... le tome 2 en fait le préféré. C'est pour ça que moi quand j'ai lu le 2 et qu'on m'a dit ah c'est mon préféré, je me suis dit ah bon bah si c'est le préféré, je sais pas trop si je vais apprécier le reste de la saga. Et en fait comme je vous dis, le tome 3 moi j'ai adoré. Comme je vous dis, il contient un rythme qui est beaucoup plus posé, alors que dans l'autre on était vraiment plus dans l'action, dans les révélations, dans on élucide un peu chaque mystère, on se dépêche, etc. Pour vous dire, le tome 2 je ne saurais même plus vous redire ce qu'il s'y passe, alors que le tome 3 je me souviens de beaucoup plus de choses. Et c'est pas parce que le tome 3 je l'ai lu après, parce que le tome 1 aussi je m'en souviens très bien. Le tome 2, je sais pas, il y a des choses je me souviens, d'autres... enfin je me souviens de très peu de choses, je sais ce qui s'est passé dans l'ensemble, mais je pourrais le relire, je redécouvrirais je pense les trois quarts du livre, honnêtement. Mais ça m'a pas permis, enfin ça m'a pas empêché on va dire de comprendre la suite, parce que voilà j'avais enregistré les infos, mais c'est vrai que quand je me redis maintenant, bah qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 2, ouais... Ouais, ouais, tout à fait. Le tome 3 a vraiment été mon préféré, même là par rapport au tome 4, le tome 3 reste pour moi l'indétrônable de la saga. Parce qu'il est vraiment dans l'introspection, le questionnement sur les valeurs, l'éthique, sur la place que prennent les robots par rapport aux humains. On a également la question de l'endoctrinement qui est posée sur le bien fondé de chaque information, sur le fait de... bah en fait on doit être dans la paix, donc ne pas prononcer des mots en rapport avec la guerre, en rapport avec le combat, on doit jamais hausser... enfin... hausser le ton, prononcer un mot plus haut que l'autre, il faut vraiment rester dans la paix absolue et tout, mais finalement on voit que ça crée quand même des tensions où est-ce que garder la paix partout, c'est-à-dire dans le sens où voilà, la paix c'est tout, bah, est-ce que ça crée pas justement encore plus de violence par la suite, dans le sens où les gens se retiennent et qu'un jour ça explose, ou en fait à chaque fois dès qu'il se passe un tout petit truc, bah, tout le monde le remarque, et que du coup chacun commence à soupçonner son voisin, chacun commence à mal se regarder, à ce qu'il y ait des tensions, des non-dits, des choses qui sont implicites, comportements un petit peu violents les uns envers les autres, mais cachés au final. J'ai beaucoup aimé le personnage aussi principal d'Ophélie, qui grandit énormément, qui devient plus adulte, qui se questionne sur sa propre identité, sur le chemin qu'elle veut prendre, est-ce que c'est pour elle, est-ce que c'est pour les autres. Voilà, elle se questionne sur sa propre identité, sur qui elle est, qui est-ce qu'elle veut être. Je peux pas vous en dire plus parce qu'on est quand même sur un tome 3, mais pour moi ça a été une lecture beaucoup plus immersive que j'ai pu avoir pour le tome 2 ou là pour le tome 4. Mais c'est vrai que je vais terminer la saga pour avoir la fierté de dire j'ai terminé La Passe Miroir quand même, parce que voilà, je dois être une des seules, on va dire, grandes lectrices ou dans l'univers du livre qui ne l'a pas lu.
Mais en tout cas, ce tome 3 est pour moi mon préféré de la saga et je vous conseille vraiment cette... Je peux pas vous dire que je conseille vraiment ce tome 3 parce que si vous n'avez pas lu le reste, vous n'allez rien comprendre. Mais sachez que si vous en êtes au tome 1 ou tome 2 et que vous êtes là, bof, moi le tome 3 a vraiment relevé... Enfin, je dirais pas qu'il a relevé le niveau, mais quand j'ai lu le tome 3, j'ai été à fond et j'ai vraiment adoré. Et maintenant que je retrouve le dernier livre à vous présenter dans cet avis lecture, il s'agit d'un contemporain, donc celui-ci je l'ai en physique, il s'agit de Je revenais des autres de Mélissa Dacosta, c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Et dans cette histoire, on y suit Philippe qui a 40 ans, il est directeur commercial, marié et père de deux enfants. Et Ambre, elle, elle a 20 ans, elle n'est rien et n'a personne, sauf lui. Et c'est écrit « Quand, submergée par le vide de son existence, elle essaie de mourir, Philippe l'envoie loin dans un village de montagne pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui pour sauver sa famille aussi. » Et c'est écrit « Je revenais des autres » et l'histoire d'un nouveau départ, d'une ode à la résilience. Et voilà, moi le résumé, quand je le lis comme ça, je vous avoue, ça me fait pas trop envie, mais... Franchement, lisez-le, ne vous arrêtez pas au résumé parce que c'est du Mélissa Dacosta et c'est génial. Et à chaque fois, j'ai envie de vous dire, c'est l'histoire d'un nouveau départ. Mais comme dans tous les Mélissa Dacosta, donc moi, j'ai pu lire pour le moment Les Lendemains, qui a été le premier livre que j'ai lu d'elle. Et là, mais oh, un livre de 200 pages, mais qui m'a fait passer par toutes les émotions, surtout par les larmes. Il m'a beaucoup bousculée et j'ai pas de mots. En fait, il était magnifique ce livre, il était vraiment magnifique. Et ensuite, j'ai lu Tout le bleu du ciel, qui là pareil m'a fait passer par toutes les émotions, qui m'a fait pleurer, qui m'a donné envie de vivre, envie de voyager, envie de rencontrer des gens, même si on sait qu'on les recroisera pas plus tard. Et voilà, en fait ces deux livres ont vraiment été pour moi des bulles qui m'ont fait du bien, qui m'ont bousculé, mais qui en même temps je pense, c'est pas que j'en avais besoin, mais on se dit ouais là ça fait du bien parce que ça veut dire qu'on était très très bien dans ce roman et qu'on se sentait impliqué. Et donc dans celui-ci j'ai aussi beaucoup aimé, je peux pas dire le contraire, mais ce n'est pas un coup de cœur. Forcément, Mélissa Dacosta a su me toucher, m'emporter avec sa plume qui est encore une fois, qui reste très belle et très poétique. C'est un récit qui fait vivre, qui fait redécouvrir la vie, qui fait redécouvrir un petit peu le voyage, le renouveau, les rencontres. C'est un petit peu ce que je disais, quand il y a tout qui est sombre à côté de nous, et bah chaque petit moment de vie, chaque petite chose positive vont nous faire un petit peu remonter les marches, vont nous faire rattraper un petit peu les barreaux de l'échelle, pour arriver après à quelque chose de meilleur où on se dit mais en fait j'y suis arrivée avec toutes ces petites étapes, ça y est je suis arrivée et maintenant je peux reprendre ma vie en main, je peux me sentir de nouveau heureuse ou heureux et je peux me dire ça y est j'y suis arrivée et maintenant voilà c'est ce que par rapport à tous les efforts que j'ai fait, par rapport à quel point je suis tombée, et ben ça y est je le mérite maintenant d'être ici et ça, enfin, c'est beau en fait de lire ça, de voir que chaque petit moment de joie, chaque petit moment simple de la vie peuvent apporter une grande joie pour nos personnages et des grands moments de bonheur. Et ça montre vraiment que chaque étape de la vie, qu'elle soit positive ou négative, fait de nous ce que l'on est actuellement. On peut pas dire j'aurais jamais dû vivre ça, alors je dis pas que on doit vivre tout ce qui nous arrive, mais dans le sens où même moi je me dis bah je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, donc l'un dans l'autre, voilà, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver, donc faut rester, pour moi, positif. Je suis quelqu'un de très optimiste de base, et je trouve que ce roman le montre bien. On est plongé dans ce roman sur une durée de 6 mois, et en fait, on y suit vraiment un renouveau de chaque personnage, où ils deviennent importants les uns pour les autres, où on apprend une partie de leur vie, où ça montre un petit peu un point d'ancrage, c'est un nouveau rebond, un nouveau moment de leur vie qui vont les aider par la suite à continuer leur parcours. Pour résumer ce livre, c'est vraiment un bol d'air frais parce qu'on se situe en pleine montagne, dans un chalet, où ils travaillent dans un restaurant ou dans un petit hôtel ou un truc, enfin voilà, ils travaillent dans la restauration, l'hôtellerie, tout ça. C'est vraiment une très très belle lecture. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une très belle lecture. Je vous lis un petit passage très rapide que j'ai découvert, enfin que j'ai lu pendant ma lecture, qui est à peu près, ah non, pas tout à fait à la moitié du livre. C'est tout simplement entre donc Ambre, notre personnage principal, et un autre personnage, où elle lui demande « Est-ce que ça te dérange que je fasse ça ?» Et lui il dit « Non, mais j'essaie juste de comprendre pourquoi tu fais ça, donc je dirai pas quoi, parce que ça donne un peu trop d'indices si vous commencez à le lire ou si vous ne l'avez pas lu. » C'est écrit « Elle lui alors cette réponse étrange, mais tu me répares en fait, c'est pour ça. » Et lui, il lui répond, et si tu arrêtais de te détruire, ça éviterait les réparations. Finalement, aider une personne à se reconstruire, c'est bien, mais si elle ne le veut pas d'elle-même ou si elle ne le fait pas d'elle-même, on ne va pas y arriver. Parce que c'est la personne elle-même qui doit avant tout impulser cette réparation, qui doit impulser un petit peu ce rebond, si je peux dire ça comme ça.
parce que voilà, c'est la personne qui doit être sauvée, donc c'est la personne qui doit être actrice de ça. Donc voilà, je trouve que cette petite phrase l'illustrait très bien. Mais du coup voilà, pour cet avis lecture. Donc là je peux pas prendre toute la pile de livres, à la limite je peux prendre mon carnet de lecture et ce livre là pour vous faire le bilan, la petite conclusion de cette vidéo. En tout cas voilà, j'espère que cet avis lecture vous aura plu, vous aura peut-être fait découvrir de nouveaux livres que, voilà, qui vous auront donné envie de les découvrir. En tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment, que cette vidéo aura été agréable à regarder malgré toujours la résonance de la pièce, mon nez bouché, que je suis un petit peu enrhumée. Mais voilà, j'espère que ça aura été pour vous, en tout cas je fais de mon mieux. Et en tout cas voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut !